Bonjour, je me présente. Je suis serviteur de Dieu et j'avais à cœur vraiment de faire cette vidéo pour prévenir nos chrétiens, hein, nos foyers chrétiens qui ont beaucoup d'enfants et même ceux qui ne le sont pas, pour dénoncer ce qui se fait dans l'obscurité pendant que nos enfants sont à l'école. Hein, on croit que tout va bien, ils sont surveillés. Mais il y a un danger. J'ai eu plusieurs cas qui se sont présentés à moi. Il y a des pratiques qui se font pendant la récré, souvent. Ça s'appelle Charlie Charlie. Alors souvent, ça ne nous dit rien, mais c'est en fait des invocations. Hein, ils invoquent le nom de Charlie Charlie, qui est un démon. Et derrière ça, il y a un stylo, une feuille. Ils marquent le oui et le non, bien sûr. Et ils invoquent ce démon qui lui donne des réponses, hein, selon les questions qu'on lui pose. Et souvent, les enfants sont ignorants. Et ils croient que c'est un jeu, mais derrière ça, il y a quelque chose de ténébreux, il y a une invocation des esprits qui se fait. Et sans se rendre compte, les parents ne se rendent pas compte. Mais quand vous voyez vos enfants, si vous voyez vos enfants qui sont en train d'être agités, qu'ils ont du mal à dormir, qu'ils se sentent observés souvent le soir, posez-leur la question. Hein, et s'ils ne l'ont pas fait, ben c'est encore mieux de les prévenir, de faire attention à ça, que ce n'est pas un jeu, que c'est vraiment quelque chose qui peut les rendre, on peut dire, captifs, hein, parce que j'ai eu des cas de 11 ans, des enfants de 8 ans qui se sont présentés à moi et qui ont été tenus à travers ces pratiques. Et j'avais à cœur de dénoncer, hein, ces pratiques diaboliques qui se font dans nos écoles. Alors voilà, chrétiens, amis, hein, avertissons nos enfants, avertissons nos enfants. Je prie pour que ces pratiques soient dévoilées, je prie pour que ces pratiques se brisent dans le nom de Jésus. Voilà, faites passer ce message. Au plus, on le fera passer, plus on sera prévenu du danger qui est en train de toucher nos enfants. Voilà, que Dieu vous bénisse et priez pour que ce message soit propagé dans toute la France. Que Dieu vous bénisse. Oui.